Shalom, 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 par la grâce de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Shalom à tous les surnaturels qui sont connectés. Shalom à tous les invincibles qui sont connectés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment. Shalom à tous les hommes de Dieu, shalom à toutes les servantes de Dieu connectées, shalom à tout le monde depuis ta position là où tu es, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Je suis encore réjoui d'être là en ce moment. Nous sommes dans le surnaturel, nous sommes en train d'opérer. Amen, amen. Vous savez, le thème que nous abordons en ce moment, nous parlons de transfert. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi transfert? Alléluia. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler le rendez-vous de tout à l'heure, heure de France, 0h, 00h de la France. Nous avons rendez-vous avec les surnaturels. Amen, amen. Je veux inviter, comme d'habitude, quelqu'un à partager cette vidéo, à liker, à commenter, beaucoup plus de commentaires, à beaucoup partager et à inviter des personnes à suivre. À suivre avec nous, tu peux marquer le nom Facebook de quelqu'un pour l'identifier et amener cette personne à se connecter. Nous sommes à la troisième partie de notre thème transfert. Troisième partie de notre thème transfert. Nous en avons déjà parlé il y a deux jeudis. Voilà. Et très rapidement, nous voulons rappeler que nous avons dit que transfert, c'est l'action de transférer, de faire passer quelque chose d'un lieu à un autre. Voilà, je pense que nous nous en souvenons. La semaine dernière, pour ceux qui ont pu regarder la vidéo, nous avons parlé de transfert d'émotions. Pour tous ceux qui ont pu suivre la semaine dernière, nous avons parlé de transfert d'émotions. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi en commentaire transfert d'émotions? Ça a été vraiment bien expliqué par la grâce de Dieu. Si tu n'as pas pu suivre, priez de connecter à la vidéo de la semaine dernière afin de savoir de quoi il était question. Est-ce que tu peux marquer avec moi en commentaire transfert d'émotions. Amen. Je vais voir les cœurs tout le long de la vidéo. Je vais voir les likes tout le long de la vidéo. Je vais voir les partages. Je vais voir les commentaires. Afin que tous ceux qui attaquent notre vidéo soient dans la confusion totale. Amen, amen. Transfert d'émotion. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi transfert d'émotion? Je vais voir ça en commentaire avant de continuer parce qu'aujourd'hui, nous allons poursuivre le thème transfert. Voilà, Émeraude Victoria, que l'Éternel te bénisse, ma fille. Donc, nous parlons de transfert. Aujourd'hui, nous allons basculer dans un autre niveau. Nous sommes toujours dans transfert. Nous allons basculer dans un autre niveau et vous allez comprendre que c'est quelque chose de super biblique, hein, de super biblique. Tous les thèmes que nous enseignons par la grâce de Dieu, je vous le dis, le surnaturel est versé dans la Bible. Le surnaturel est versé dans la Bible. Tu peux avoir l'impression que ce que nous enseignons paraît bizarre, mais nous n'utilisons que la Bible pour enseigner le surnaturel parce que nous parlons de surnaturel justement par rapport au fait que ce soit des choses qui paraissent bizarres, mais c'est dans la Bible. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur l'enseignement transfert. Après avoir fini de parler sur le transfert d'émotion la semaine dernière, celui qui n'a pas pu suivre avec nous, qui nous prend maintenant en marche, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez aller aussi sur YouTube, la page Révérend Prophète Herman Kouadio. Vous allez voir toutes les vidéos sur le surnaturel que nous avons donné. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Nous allons déclencher aujourd'hui un autre niveau de transfert. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un peut marquer cette référence? Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Nous faisons la lecture et nous allons rentrer dans ce que j'appelle transfert. Nous repartons dès le commencement. Voilà. Shalom à tous ceux qui nous se connectent maintenant. Shalom à tous ceux qui se connectent maintenant. Que la grâce de l'Éternel soit sur vos vies. Merci. Je vais voir les commentaires. Je vais voir les cœurs tout le long de la vidéo. Je vais voir les pouces. Voilà, juste en bas, le pouce bleu, vous appuyez seulement le pouce bleu, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Le cœur à côté, et puis tu marques en commentaire, plusieurs commentaires, afin que la vidéo ne soit pas signalée. Bien, Genèse chapitre 2, le verset 7, il est écrit. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je reprends.
Dieu, l'Éternel Dieu, forma de la poussière de la terre. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La dernière fois, j'ai parlé de transfert d'émotion. Aujourd'hui, je reviens depuis la Genèse pour commencer à parler de transfert. Amen. Parce que c'est un niveau supérieur par rapport aux émotions. Et dans ce passage, vous voyez que nous sommes au commencement de la vie humaine. Nous sommes au commencement de la vie humaine. Je veux que quelqu'un comprenne déjà, à partir de ce verset-là que nous venons de lire, Dieu a formé l'homme de la poussière. Quand Dieu finit de former l'homme de la poussière, la Bible dit, le corps est couché, ce n'est pas encore un être humain. Et quand Dieu souffle en l'homme, amen, le souffle, quand Dieu dépose en l'homme le souffle, à partir de cet instant-là, l'être humain devient vivant. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie humaine part à partir de ce qu'on appelle le transfert. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dieu a pris de l'esprit qui était en lui. J'ai déjà expliqué ça en introduction. La première vidéo sur le transfert, j'ai expliqué un peu les différentes facettes de transfert. Donc, l'Éternel Dieu a pris de l'esprit qui était en lui. Il a transféré dans un objet inanimé. Parce que quand le souffle n'est plus en l'être humain, je veux dire, le corps ne représente rien. D'accord? Le corps de l'homme ne représente rien, ce n'est que. Considérez ça comme un objet. Aller à la morgue, quand vous voyez des cadavres couchés, ce n'est rien. Ce n'est rien d'autre. Voilà. Maintenant, ce corps-là prend de la vie, prend de l'importance à partir de l'instant où il y a un souffle en lui. Et ce souffle-là, c'est le Seigneur Dieu, c'est l'Éternel Dieu qui a déposé son souffle. Or, quelque chose a quitté Dieu et est rentré dans le corps. Et c'est ce déplacement, passer d'un lien, d'un point à un autre, qu'on appelle le transfert. La vie de l'homme, l'essence même de l'être humain, part de ce qu'on appelle le transfert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un peut marquer avec moi, la vie de l'homme débute par le transfert. Donc, au commencement, la première chose qui fait que toi qui me regardes, tu peux te déplacer. La première chose qui fait que tu peux te mouvoir. La première chose qui fait que tu existes, c'est parce qu'il y a eu un transfert. Dieu a pris de son esprit et a déposé cet esprit-là en toi. Il t'a transféré quelque chose. Dieu a pris de son esprit pour mettre en toi et ce transfert-là qui a eu lieu a déclenché la vie humaine. S'il n'existe pas le transfert, l'être humain n'existe pas. À la différence des animaux, il n'y a pas eu de transfert. Mais l'être humain, la Bible dit, Dieu va souffler en l'homme. Alléluia. Quand Dieu souffle en l'homme, Dieu te transmet quelque chose. Et ce qui te transmet, la Bible dit quoi? Quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le corps physique que moi j'ai, ce n'est pas ce corps-là qui a l'image de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le corps physique que j'ai qui a l'image de Dieu. Non. Si c'était ça, à l'image de Dieu, on n'aurait pas pu reconnaître l'image de Dieu parce que le visage que j'ai, ce n'est pas le même visage que Noël Guédié a, ce n'est pas le même visage que Alphonse a. Chacun de nous a son visage, chacun de nous a sa taille, chacun de nous a sa forme. Donc Dieu n'est pas dans la forme. Mais qu'est-ce qui est en nous qui fait que nous sommes communs? C'est le transfert, ce que Dieu a soufflé en chacun de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on se comprend? Ce que Dieu a soufflé en chacun de nous, c'est ce qui fait donc que la Bible dit, à partir de cet instant-là, l'homme est à l'image de Dieu. Si vous vous souvenez en introduction, je vous avais expliqué en introduction que lorsque un objet, deux téléphones sont là, je vous avais expliqué que quand un téléphone transfère quelque chose à un autre téléphone, automatiquement, le deuxième téléphone devient comme le premier. Donc, quand Dieu te transfère de son esprit, en ce moment-là, tu es à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait qu'il t'ait transféré quelque chose, tu as les capacités de Dieu. On a vu qu'on parlait de Moïse et les 70. La Bible dit, dès que le transfert a eu lieu, les 70 ont commencé à prophétiser comme Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ici, dans ce cas-là, la semaine dernière, nous avons étudié le transfert d'émotion.
Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de transfert d'esprit, Makara bro. Quelqu'un qui est avec moi, transfert d'esprit. Dis avec moi, transfert d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous parlons de transfert d'esprit. J'ai laissé transfert d'esprit après transfert d'émotion parce que c'est beaucoup plus fort. Et quand on est dans le surnaturel et qu'on parle de transfert, en majorité, il s'agit d'esprit. Donc, Dieu souffle en nous son esprit. Dieu nous transfère son esprit. Comme dans le cas de Moïse, la référence de base, il a dit, « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je vais le déposer sur les 70. » D'accord? Nous sommes en train de parler de transfert d'esprit. Il y a la capacité qu'on te transfère les esprits. J'ai expliqué la semaine dernière comment quelqu'un peut te transférer ses émotions et comment tu peux empêcher quelqu'un de te transférer les mauvaises émotions. On a vu ça la semaine dernière. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du transfert d'esprit. Est-ce que c'est bon? Donc, dès le départ, pour que tu vives, Dieu a dû te transférer de son esprit. Le transfert est l'essence, est la base de la vie humaine. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux pousser? Amen, amen. Jean chapitre 20. Quelqu'un marque avec moi en référence. Jean chapitre 20, verset 19 à 22. Nous sommes en train de parler ce soir de transfert d'esprit. Alléluia. Il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Nous sommes dans le surnaturel et beaucoup de mouvements se font. Beaucoup de mouvements s'opèrent, beaucoup de déplacements s'opèrent, beaucoup d'esprits se baladent, beaucoup d'esprits se transfèrent. Il faut que tu comprennes. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire merci pour l'enseignement parce que j'ai compris que je me mettais en colère inutilement. Il y avait des transferts d'émotions qui se faisaient. Alléluia. Jean chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 19 à 22. Ça va nous permettre d'ouvrir une branche. Amen, c'est bon? Jean chapitre 20, verset 19 à 22. Il est écrit, « Le soir de ce jour, voilà, merci à ceux qui mettent en commentaire, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vient se présenter au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. » Verset 20. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains de son côté et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le verset maintenant qui nous intéresse, verset 22. « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alléluia. Verset 22 qui nous intéresse, quand le maître Jésus a fini de leur parler, la Bible dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Vous voyez, le passage que nous avons lu dans la Genèse, où au commencement de l'humanité, Dieu souffla en homme et Dieu lui transféra l'Esprit. Ici, nous sommes au commencement de l'Église. Nous sommes au commencement de l'Église. Il ne s'agit pas là de recevoir l'Esprit de l'homme parce que nous l'avons déjà. Au commencement de l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit pour travailler. La Bible dit, le Maître Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de faire quoi? Un transfert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, en même temps, vous voyez dans ce passage-là, la manière ou bien les différentes manières de transférer l'esprit. On peut transférer l'esprit en soufflant sur quelqu'un. C'est bizarre. Amen. En soufflant sur toi, quelqu'un peut te transférer l'esprit. Il faut que tu sois conscient, nous sommes dans le surnaturel. Amen. En soufflant sur toi, quelqu'un peut te transférer l'esprit. Alléluia. Donc, dans la Genèse, Dieu a transféré l'esprit, son esprit, en l'être humain, en soufflant sur le corps. Et puis l'homme est devenu vivant. Ici, nous sommes dans le livre de Jean. Au commencement de l'Église, Dieu, le Maître Jésus souffle sur les disciples. Et puis il a dit, recevez. Donc, la méthode, l'une des méthodes pour que quelqu'un te transfère l'esprit, c'est en soufflant sur toi. Alléluia. Sois conscient de ça. C'est très, très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut te transférer l'esprit en soufflant sur toi. Donc,
Nous venons de lire dans ce passage-là où le maître Jésus a soufflé sur les disciples. En soufflant sur eux, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur eux. Amen, amen, amen. Nous allons lire plusieurs autres passages, mais je veux déjà que tu comprennes cela. Il y a des actions qui se font dans l'invisible. Il y a des actions qui se font dans le surnaturel. Quelqu'un peut venir voir, généralement ça se fait au niveau des enfants qui naissent. Et c'est pour ça que je veux enseigner cela. Ton bébé, tu viens d'avoir un enfant, ou bien même s'il n'est pas bébé, quelqu'un entre chez toi, oh ton enfant est joli, il prend l'enfant, il est en train de s'amuser avec l'enfant, tu ne sais même pas ce que la personne est en train de faire. En s'amusant avec l'enfant, la personne qui sait ce qui se passe, il peut venir souffler sur ton enfant et lui transférer quelque chose. Et toi, tu n'es pas conscient de cela. Tu n'es pas conscient de ça. Quelqu'un peut souffler sur ton fils à l'école. Quelqu'un peut souffler même sur ton épouse, et puis lui transférer quelque chose. On transfère les esprits en soufflant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. On peut souffler sur toi et te transférer l'esprit. Est-ce que je peux voir ça en commentaire? En soufflant sur moi ou bien en soufflant sur toi, par le souffle. Amen. On peut souffler et la personne reçoit. C'est quelque chose de bizarre. Est-ce que le souffle, on voit, c'est un vent? Mais non, ce n'est pas simplement du vent. C'est l'esprit qu'on est en train de te transférer de cette manière. Amen, 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 amen. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un fasse attention. Il faut que quelqu'un fasse attention. Là où tu es, prête les oreilles, prête attention. Quand je parlais de rituel, j'ai enseigné beaucoup de choses comme ça. J'ai dit, l'homme surnaturel ou la femme surnaturelle que tu es, tu dois avoir tes détecteurs activés pour comprendre quand quelque chose ou bien quand quelqu'un est en train de poser une action surnaturelle autour de toi afin de pouvoir bloquer la chose. Alléluia. Tu peux être en train de communiquer avec quelqu'un et puis la personne souffle sur toi et puis tu ne t'es pas rendu compte. Il faut que tes sens surnaturels soient activés. Il faut que tes sens surnaturels soient activés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que tu ne manques pas de comprendre ce qui se passe. Si en parlant, quelqu'un est en train de te souffler dessus, il faut que tu réalises que la personne vient de souffler sur toi. Si c'est un bon esprit que tu veux recevoir, tu diras amen. Mais si c'est un esprit que tu ne veux pas, la semaine dernière, nous avons expliqué comment rejeter un transfert qu'on ne veut pas. Comment refuser un transfert qu'on ne veut pas. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Est-ce qu'on peut continuer? Nous sommes dans le transfert. Il faut que tu puisses activer tes sens. Au cours d'une conversation avec quelqu'un, à partir de là, tu peux quitter là avec un esprit d'échec. Parce que cela t'a été transféré. Amen. On continue. On va lire un deuxième passage. Je veux vraiment, vraiment, par la grâce de Dieu, finir aujourd'hui l'enseignement qui est là. Amen. Quelqu'un marque avec moi. Actes chapitre 19. Marque avec moi à chapitre 19, versets 5 à 6. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. On va lire verset 5 et le verset 6. C'est bon? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on peut continuer? Actes chapitre 19, verset 5. Donc, j'explique le contexte, voilà, de Actes chapitre 19 pour ne pas qu'on lise tout. L'apôtre Paul rencontre des chrétiens. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous êtes convertis? Ils vont dire non, on n'a pas reçu l'Esprit. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, verset 5. Verset 6 maintenant. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 6 qui nous intéressait. Nous reprenons le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul eut imposé les mains, nous sommes toujours dans le cadre du transfert et cette fois-ci, nous venons de voir que nous pouvons recevoir le transfert par quoi? Quelqu'un marque avec moi, imposition des mains. Par imposition des mains. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qu'on attend, que le maître Jésus a transféré en soufflant. C'est le Saint-Esprit que
Paul vient de transférer en imposant les mains. Écoutez-moi, nous sommes dans le cadre de l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, nous parlons de transfert d'esprit. Si on peut transférer le maître suprême de tous les esprits qui opèrent dans l'invisible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit suprême de tous les esprits qui opèrent dans l'invisible. Donc, si l'esprit suprême, on peut le transférer en soufflant, ça veut dire que tous les petits esprits, on les transfère aussi en soufflant. Si l'esprit suprême, on peut le transférer par imposition des mains, ça veut dire que tous les petits esprits, on les transfère aussi par imposition des mains. Encore une fois, je veux ouvrir les yeux. Écoutez, on peut avoir l'impression que ce thème-là est inutile, mais il n'est pas inutile parce que je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un sur ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Si quelqu'un t'impose les mains, la personne a la capacité de te transférer de son esprit. Alléluia. Mais au-delà de toi, ce que j'entends de dire, au-delà de toi, il y a tes enfants. Au-delà de toi, il y a des personnes autour de toi. Tu vois que ton enfant vient saluer un tonton, une tante, un oncle, et puis la personne touche sa tête comme ça. Ça peut être un acte sans arrière-pensée. C'est possible que ce soit un acte sans arrière-pensée. Mais si la personne est surnaturelle et que ce n'est pas un acte sans arrière-pensée, en touchant la tête de ton enfant, il est en train d'imposer la main à ton enfant. Et dès cet instant-là, il peut lui transférer quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès cet instant, il peut lui transférer quelque chose. Donc, comme je dis, on peut recevoir l'esprit par quoi? Par imposition des mains. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi? Par imposition des mains. Alléluia. Par imposition des mains, on peut recevoir l'esprit. Amen. Par imposition des mains, on peut recevoir l'esprit. Donc, il faut que tu regardes. C'est pour ça que je dis, ton sens ou tes sens surnaturels doivent être activés. Quelqu'un même peut te toucher, toi-même qui es adulte là, et puis quelqu'un peut mettre la main sur ta tête sans que tu ne t'en rendes compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même qui es adulte là, quelqu'un peut mettre sa main sur ta tête et puis tu ne te rends pas compte. Pour les femmes, oh merci Seigneur, pour toutes les femmes qui vont se faire tresser, c'est pour ça que je dis, activez vos sens surnaturels. Beaucoup de femmes ont reçu des mauvais esprits comme ça. Beaucoup de femmes ont reçu des mauvais esprits comme ça pendant qu'elles se faisaient tresser. Le monde invisible est dangereux. Le monde invisible est dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu es en train de te faire tresser, la tresseuse que tu ne maîtrises pas, dont tu ne connais pas, dont tu ne maîtrises pas l'esprit, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes, mais nous les hommes aussi qui allons nous faire coiffer chez des coiffeurs. Le coiffeur que tu ne connais pas, dont tu ne maîtrises pas l'esprit, en te coiffant peut te transférer quelque chose. Parce que dès que quelqu'un t'impose les mains, la personne a la capacité de... Est-ce que j'ouvre les yeux de quelqu'un ce soir? Ne pensez pas que je suis en train d'enseigner ce thème en vain. Non. Si tu peux t'asseoir, peut-être que tu n'as pas prêté attention, mais quelqu'un peut rentrer dans un type de problème après être sorti de chez le coiffeur. Mais tu ne t'es même pas rendu compte de ça. En fait, ça ne t'a pas effleuré l'esprit. Ton sens, tes sens surnaturels ne t'ont pas activé. Tu n'as pas pu te rendre compte. Une dame me rendait son témoignage. Elle disait, pendant que la tresseuse est en train de faire mes cheveux, elle est en train de boucler quelque chose comme ça, je ne sentais pas ses mains toucher ma tête. Écoutez-moi très bien. Elle dit, je ne sentais pas ses mains toucher ma tête. Je voyais le mouvement dans le miroir, mais je ne sentais rien sur ma tête. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, la dame me dit, j'ai crié, arrête! Et quand elle a crié, arrête! La coiffeuse qui aurait dû se plaindre pour dire, pourquoi tu me cries dessus? Elle a stoppé toute nette. Elle n'a plus rien fait. Elle a arrêté. Et la dame s'est levée. Elle a dit, c'est bon, j'arrête. Mais la tresseuse ne lui a pas posé la question pour dire, pourquoi tu as crié sur moi? Arrête, pourquoi tu as dit ceci? Rien. Rien. En fait, dans l'action qui était en train d'être posée, quelque chose se passait. Je ne vous dis pas, n'allez plus vous faire tresser. Non, je vous dis, activez vos sens surnaturels. Quand tu es assise, à moins que tu ne connaisses très bien l'esprit de ton coiffeur ou de ta coiffeuse, à moins que tu ne connaisses très bien cet esprit-là, quand quelqu'un est en train de te toucher ta tête, tout ce qui est autour de toi, fais attention. L'imposition des mains, ce n'est pas forcément la tête. Là aussi, c'est un mystère.
Ce n'est pas forcément à la tête qu'on t'impose les mains. Je peux t'imposer les mains n'importe où, je peux toucher tes épaules, je peux attraper tes mains, je peux t'imposer. Imposer les mains, ça veut dire que mes mains sont en contact avec toi. Mes mains sont en contact avec toi. Au travers de ces contacts-là, ma main et tes mains en contact, je peux te transférer quelque chose. Imposer les mains. Regardez, j'ai une table devant moi. Quand je dépose comme ça la main, j'ai imposé la main sur la table. Donc, ce n'est pas forcément la tête. Non, ça peut être l'épaule, ça peut être n'importe où. Je peux te toucher. Je peux te transférer quelque chose en te touchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous n'avez pas vos sens surnaturels activés, vous ne pouvez pas comprendre. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Ça veut dire que la situation qui t'arrive vient d'où? On a parlé de ça quand j'enseignais sur le monde invisible. Connecté au monde invisible, j'ai parlé de ça. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ça part de quoi? Mon échec part de quoi? Est-ce que quelqu'un ne m'a pas transféré quelque chose? Et là, je suis en train de vous parler de quoi? De transfert d'esprit. Est-ce que quelqu'un ne m'a pas transféré un mauvais esprit? Mon enfant était brillant. J'ai entendu des personnes dire, mais ça allait dans les études de ma fille. Mon fils travaillait bien à l'école. Mais depuis un certain moment, c'est comme si son intelligence a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu quel problème? Donc, par imposition des mains, on peut te transférer un esprit. Par imposition des mains, on peut transférer un esprit à tes enfants. C'est pour ça, fais attention. Donc, comme je dis, tout le monde n'est pas forcément mauvais. Non, quelqu'un peut toucher la tête de ton enfant sans arrière-pensée. Il n'y a pas de souci pour ça. Je n'ai pas dit je le condamne. Non, 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 non. Mais je dis, active tes sens surnaturels. De sorte que celui qui est en train de toucher ta fille, toucher ton fils, toucher ton époux, toucher ton épouse, si l'imposition des mains est saine, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, ton sixième sens doit être activé. Macarabro, chédébré. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Ton sixième sens doit être activé pour que tu comprennes qu'il y a un danger quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. En saison 3, quand on va revenir sur le pouvoir de l'esprit, je vais vous enseigner la connexion des esprits en saison 3. On va revenir sur le pouvoir de l'esprit. De sorte que même si tu n'es pas proche de ton parent, que tu sois à mesure de savoir que quelque chose est en train de se passer. Que quelque chose est en train de se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous allez vous rendre compte que du jour au lendemain, les études de l'enfant s'écroulent. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, un foyer tout en joie, paf! Dégringole du jour au lendemain, tu arrives au boulot et puis on ne te supporte plus au travail. Quel qui s'est passé entre-temps? Un transfert a dû se faire. Église, faisons attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je suis en train d'enseigner le transfert. Sinon, je ne suis pas en train d'enseigner comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Non, non, non. Je suis en train de te montrer que l'Esprit suprême de tous les esprits qui opèrent dans l'invisible se transfère de cette manière. Or, c'est le plus grand. Donc, si le plus grand, on le transfère de cette manière, imaginez donc les autres esprits. C'est pour ça que je dis ce soir, nous parlons de quoi? Nous parlons de transfert d'esprit. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Donc, vous voyez que je parle de transfert d'esprit par le Saint-Esprit, mais en même temps, je bascule dans l'autre camp, sur nos ennemis, pour vous montrer en même temps comment est-ce qu'eux aussi peuvent transférer les esprits. Donc, les sorciers peuvent en transférer l'esprit. Souvent, on se demande, mais comment mon enfant a fait? Souvent, on va à l'église et puis il y a des gens, on dit, ton enfant a été initié à la sorcellerie. Il y a des parents qui se posent la question de savoir, mais à quel moment la sorcellerie est rentrée dans la vie de mon enfant? Alléluia. J'en ai parlé un peu en début de saison 2 quand j'enseignais l'initiation. Mais là, par le transfert, comment est-ce que ça s'est passé? À quel moment? Mais quelqu'un a pu transférer l'esprit de sorcellerie à ton enfant en lui imposant la main comme ça, tout simplement. Tout simplement, en soufflant sur l'enfant. Mais tu ne t'es pas rendu compte que ton enfant, quelqu'un lui a soufflé dessus. Toi-même, on peut te transférer un démon en soufflant sur toi. Toi-même, on peut te transférer un esprit en t'imposant les mains. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'on dit souvent à l'église, ne laisse pas tout le monde t'imposer les mains. Ne laisse pas tout le monde t'imposer les mains. C'est-à-dire, celui que tu acceptes qu'il dépose la main sur ta tête, c'est que tu sais que c'est mon... Je crois en lui. Je crois en lui. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Bien. Je pense que par la grâce de Dieu, on pourra terminer. Par la grâce de Dieu, il me reste encore 20 minutes. Amen. Quelqu'un marque avec moi 2 Rois, le chapitre 2.
2 Rois, le chapitre 2, verset 9. Donc, comme je dis, quand j'enseigne transfert dans la Bible, comment nous recevons nos transferts, je vous ai toujours dit que le surnaturel vient de chez nous, les chrétiens, vient de chez nous, les hommes du Dieu d'Israël. Voilà, les surnaturels. C'est comme ça que eux, les autres, ont copié parce que c'est ce que notre Dieu fait. Amen. Donc, je profite pour vous expliquer, pour ouvrir vos yeux. C'est pour ça que j'enseigne le surnaturel, le transfert, pour ouvrir les yeux de quelqu'un afin que tu ne chopes pas, tu ne te prennes pas, ou bien quelqu'un autour de toi ne se prenne pas, n'importe quel esprit sans que tu ne t'en rendes compte. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? 2 Rois, le chapitre 2. Deux Rois, chapitre 2. On va lire à partir du verset. C'est lorsque le prophète Élie et Élie montaient au ciel. On va prendre le verset 9. Voilà. 2 Rois, chapitre 2, le verset 9. Est-ce que quelqu'un peut marquer ça, cette en référence? 2 Rois, chapitre 2, le verset 9. Je vais vous expliquer. Je suis en train d'ouvrir vos yeux. Hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu pourras faire attention. Et ensuite, beaucoup plus à tes proches. Beaucoup plus à tes proches. Vous allez voir beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut continuer? 2 Rois, chapitre 2, verset 9. J'attends ça avant de continuer. J'attends inscrire la référence. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Est-ce qu'on me suit? On va finir par la grâce de Dieu. Je pense qu'on pourra finir. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée dit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de toi, Élie, ton esprit. Et puis, Élie va lui poser la condition, si tu me vois partir, machin, tout ça, tu recevras. D'accord? Alors, en ce moment précis, je vais interpeller quelqu'un. J'ai parlé du souffle. J'ai parlé de quoi? Imposition des mains. Généralement, quand on lit ce passage dans le cadre biblique des chrétiens, c'est une bonne chose. On peut recevoir un transfert, écrit d'abord, et puis je vais t'expliquer, par loyauté. Écrit par loyauté. On peut recevoir le transfert par loyauté. Je dis loyauté, ça veut dire que quand on lit l'histoire, Élisée est resté proche d'Élie. Et même par loyauté, et puis j'explique. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans le surnaturel. Nous allons dévoiler certaines choses aujourd'hui. Dis avec moi par loyauté. Je veux voir par loyauté. Donc, Élie et Élisée. Élie est le père spirituel. Élisée est le fils spirituel. Est l'apprenant. D'accord? Et Élisée doit continuer la mission. Et Marc avec moi continue la mission. J'ai expliqué ça un peu quand on parlait de Moïse. Où les 70 ont reçu l'esprit afin de pouvoir faire le travail. Mais avant de recevoir l'esprit, la Bible dit, Élie va poser un problème à Élisée. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Mais quand vous lisez le passage, il y avait plusieurs autres fils de prophètes. Ce n'est pas aux autres qu'il a posé la question. Il a posé la question à Élisée qui était proche de lui. Donc, je vous dis, on peut recevoir l'esprit, on peut avoir un transfert d'esprit par loyauté. Ça veut dire quoi? La personne est proche de Élie et pendant que Élie s'en va, la Bible ne dit pas le Saint-Esprit est descendu sur Élisée. Non, la Bible dit l'esprit de Élie est tombé sur Élisée. Et automatiquement, Élie a continué le travail. Ce passage-là, ça nous plaît très bien. Je reçois la double portion. Nous sommes dans le cadre biblique. C'est très bon. Mais je vais ouvrir les yeux de quelqu'un sur l'autre camp. Souvent, nous faisons nos combats spirituels. D'accord? Fire for fire. Je détruis, je brise, j'attaque. Amen. Mais je veux que tu comprennes que de la manière dont quand Élie partait, Élie n'est pas parti avec son esprit.
il a transféré à quelqu'un pour que la mission continue. De la même manière, tout être surnaturel qui doit partir, retenez ça en général, je veux qu'on écrive même ça, tout être surnaturel qui doit quitter la terre transfère toujours son esprit à quelqu'un pour continuer son travail. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout être surnaturel, avant de quitter la terre, transfère toujours l'esprit qui est sur lui à quelqu'un pour continuer le travail. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Je dis, je reprends, hein? Tout être surnaturel sur la terre des hommes, avant de quitter la terre des hommes, il transfère toujours son esprit avant de partir. J'ai répété ça combien de fois? Je veux que quelqu'un comprenne. Dans nos familles, dans nos combats spirituels qu'on fait, je reviens dessus, on fait des combats spirituels, on dit, « Oh, je bénis Dieu. Le sorcier qui me fatiguait est tombé. Amen. » C'est un témoignage. Mais je veux ouvrir tes yeux, surnaturel que tu es. Ce sorcier-là, avant de tomber, transfère toujours son esprit à quelqu'un. Est-ce qu'on me suit? Le mystique de ta famille, j'ai prié, j'ai combattu, il est tombé. Ne pense pas que tu as la victoire. C'est pour ça que beaucoup de personnes se demandent, mais il est mort. Mais pourquoi est-ce que je suis toujours oppressé? Il est mort. Mais pourquoi est-ce que je suis toujours attaqué? Oui, il est décédé. Oui, il est mort. Mais avant de partir, il transfère toujours son esprit à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu m'entends? Donc, ce sorcier que tu as combattu, ce sorcier que contre qui tu as prié et que tu es libéré selon toi parce qu'il n'est plus là, mais avant de partir, tout être surnaturel fait quoi? Transfère toujours son esprit. Et j'ai expliqué deux cas déjà de transfert. Le troisième cas dont je viens de parler, j'ai dit loyauté. Ça veut dire que la personne est proche. Amen. Tu es proche de quelqu'un sans te rendre compte. On peut te transférer. Cette loyauté-là va faire que la personne a la capacité de te transférer, de te donner le manteau. C'est généralement dans le cadre biblique, c'est ce qu'on dit. On voit ça seulement dans le cadre biblique. Mais on ne réalise pas que les sorciers font la même pratique. On ne réalise pas que les mystiques font la même pratique. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que dans les villages, ceux qui sont réputés comme sorciers ont toujours des enfants autour d'eux, ont toujours des personnes autour d'eux. Ce sont les hommes de main. Le jour n'est pas là. Quand tu vas aller en prière pour faire ta délivrance, on va te citer le nom du sorcier remplaçant. C'est ceux qui étaient proches du sorcier général. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pensez pas que la double portion se manifeste seulement dans notre cadre. Ce n'est pas pour ça que je suis en train d'expliquer le transfert. Hein. C'est vrai que les surnaturels que vous êtes, on aura fait cette séance de prière, celui qui veut recevoir le transfert. Il n'y a pas de souci. Mais je suis en train d'ouvrir tes yeux pour dire, le jour où le sorcier de ta famille est tombé, là, il faut que tu réalises que ce sorcier, avant de tomber, a transféré à quelqu'un. Maintenant, comment tu vas savoir à qui il a transféré? Loyauté. Qui était proche de ce sorcier-là? Qui était proche de cette sorcière? Qui était proche de ce mystique? Qui était, je vais dire, son bras droit? Qui était son homme ou sa femme à tout faire? Il y a 98% de chances que cette personne-là ait reçu. Peut-être même à son insu. Peut-être même à son insu. Dans le cadre que nous avons lu, la Bible dit, Élisée lui-même est venu demander pour dire, donne-moi. Amen. Mais on lui a donné à lui parce que c'était lui qui était proche. C'est pour ça que je dis, on reçoit le transfert par loyauté. Tellement que tu es proche de quelqu'un. On voit ça dans le cadre chez nous les pasteurs. En tout cas, mon fils, mes fils spirituels, forcément reçoivent le transfert qui est sur moi. Mais pendant, moi, je suis un homme surnaturel, un homme spirituel, si vous voulez. Parce que le transfert, ce n'est pas seulement dans le cadre du surnaturel. Les surnaturels que nous sommes, on a la capacité d'activer beaucoup plus. Mais simplement, des spirituels peuvent transférer leur esprit. Ça, ce n'est pas forcément être surnaturel pour ça. D'accord? Le surnaturel, c'est vrai que ça aura d'autres impacts. Mais simplement, un homme spirituel peut transférer son esprit. Mais on le transfère aux enfants proches de nous. La Bible dit, Moïse a marqué 70 des anciens, 70 personnes proches d'eux. C'est eux-là qui ont reçu le transfert. Donc, pendant que nous, les chrétiens, nous transférons le Saint-Esprit, il faut que tu comprennes que les mystiques aussi transfèrent. C'est pour ça que ce soir, nous parlons de transfert d'esprit et c'est avec là que je vais terminer sur le transfert.
Alléluia. Parce que tout le reste rentre dans ça. Tout le reste de transfert rentre dans ça. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui était proche de ce sorcier-là que tu combattais là? Qui était proche de lui? Qui était son bras droit? Qui était son à côté? Qui était son homme de main? Son homme à tout faire? Mes amis, comprenez que cette personne-là a reçu peut-être, de façon consciente, peut-être de façon inconsciente. J'ai expliqué ça quand je faisais l'introduction. Ben, la Bible dit qu'il y avait 68 qui étaient présents. D'accord? Sur les 68 qui étaient présents, il y avait deux autres qui étaient loin dans les champs. Les deux autres ont reçu aussi l'Esprit, mais ils n'étaient pas sur là, ils n'étaient pas sur place. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, les deux personnes n'étaient pas au courant que quelque chose était en train de se faire. D'accord? Ils n'étaient pas au courant parce qu'ils se seraient déplacés. Mais ils sont restés dans les champs parce qu'ils n'avaient pas l'information. Cependant, l'Esprit était tombé sur eux. Donc, quelqu'un peut recevoir l'Esprit sans être conscient qu'on lui a transféré quelque chose. Il ne sait pas qu'on lui a transféré la sorcellerie. Il ne sait pas qu'on lui a transféré le mysticisme. Il peut ne pas être conscient. Mais comme je vous dis, être proche de quelqu'un, hein, être proche de quelqu'un, être loyal, être le bras droit, la personne sûre de quelqu'un, je veux dire, peut lui permettre de te transférer. C'est pour ça que c'est à Élisée qu'on a transféré l'Esprit. Donc, mes amis, faites attention dans vos prières. Faites attention dans vos combats spirituels. Faites attention parce que ne pensez pas que, oh, il est tombé, j'ai la victoire. Oui, il est tombé, j'ai la victoire. Mais si tu ne fais pas attention, quelque chose peut être déposé sur toi. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'Esprit dit à l'Église? Est-ce que quelqu'un entend ce que le surnaturel révèle ce soir? Ce que le surnaturel enseigne? Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, faites un sondage. Hein. Ouvrez vos yeux, faites un sondage. Faites un sondage. Allez-y partout, partout, partout. Que ce soit dans le domaine mystique, que ce soit dans le domaine de la sorcellerie, que ce soit dans le domaine ecclésiastique de nous, les églises. Allez-y voir partout. C'est les proches qui reçoivent le transfert. C'est comme ça. Mais retenez que tout être surnaturel, avant de bouger, transfère. Donc, le maître Jésus a soufflé sur eux. Paf. Avant de partir. Il a soufflé sur les disciples avant de partir. Élie a déposé avant de partir. La Bible dit, avant que Moïse ne meure, Dieu va lui dire, tu vas mourir. Appelle Josué. Il a appelé Josué. Il a posé les mains sur la tête de Josué. Il a transféré quelque chose à Josué. Pourquoi? Josué était proche de lui. Josué était proche de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je veux que quelqu'un réalise ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir. Je veux que quelqu'un réalise ça. Donc, fais attention dans ta phase de combat spirituel. Fais attention aux personnes avec qui tu marches. Parce que être trop proche de quelqu'un, tu peux récupérer son esprit. Et si c'est un mauvais esprit, ça va t'affecter. Si c'est un mauvais esprit, ça va t'affecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Trop proche de quelqu'un, si c'est un mauvais esprit, ça va t'affecter. Il peut te transférer parce que vous êtes proche. Tu es à côté de lui. C'est le dernier élément que je voudrais toucher en ce qui concerne le transfert. Alléluia. Ça va te toucher. Il va te transférer son esprit de sorcellerie. Il peut te transférer son esprit de mystique. C'est comme moi aussi, je peux te transférer de mon esprit. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, la personne n'est plus, mais on se rend compte que son esprit continue de travailler. Comment est-ce que telle personne a réussi à influencer mon mari? C'est parce que les deux sont toujours ensemble. Il marche toujours avec ton mari. Il marche toujours avec ta femme. Il peut l'influencer. Il peut lui transférer de son esprit. Alléluia. Donc, si tu veux me bloquer, débrouille-toi pour que les deux ne soient plus en contact. Parce que tant que les deux sont toujours en contact, je suis désolé, le transfert peut avoir lieu. Le transfert d'esprit peut toujours avoir lieu. Amen. Quand la personne voit ton frère, à partir de cet instant, ton frère ne peut plus respirer. Ton frère tremble. Pourquoi? Parce que dès qu'on est rentré en contact, dès que la personne est rentrée en contact, le transfert s'est fait. Le transfert a eu lieu. Et c'est le plus dangereux, quand on parle de transfert, le transfert d'esprit est le plus dangereux. Amen, amen. Le transfert d'esprit est le plus dangereux parce que c'est de là que tout part.
C'est de là que tout part. Et c'est pour ça que je suis revenu maintenant en parlant de la Genèse. À partir de la Genèse, nous nous sommes rendus compte que à partir de la Genèse, Dieu a transféré de son esprit. Dieu a transféré de son esprit. Église, je veux, j'espère pour ma part, avoir été utile en parlant de ce thème, le transfert. Alléluia. J'espère avoir été utile. L'objectif était d'ouvrir les yeux d'un chrétien ou d'un surnaturel sur les choses qui se passent autour de toi. L'objectif était d'ouvrir les yeux d'un surnaturel sur ton environnement. À quel moment quelqu'un veut te transférer son esprit? Comme je disais tout à l'heure, ça va rejoindre un autre thème que je vais enseigner en saison 3. On reviendra sur le pouvoir de l'esprit, mais on va parler de connexion des esprits en saison 3 dans le pouvoir de l'esprit. Vous allez voir que ça se rejoint un peu. Alléluia. Ça se rejoint un peu. Mais là où je suis en train de terminer avec le côté transfert, que ton esprit soit actif et que tu commences à savoir si quelqu'un veut te transférer des émotions. Comment refuser cela? Si quelqu'un veut te transférer son esprit, comment refuser? Comment savoir même que la personne veut te transférer? En soufflant sur toi, en t'imposant les mains. Et quand je dis imposer les mains, ne voyez pas forcément la tête. Non, parce que si on se dit imposer les mains, c'est la tête. Si la personne n'a pas touché ma tête, on ne m'a pas imposé les mains. Non, hein? Ce n'est pas imposé, ce n'est pas la tête seulement qui a imposé les mains. Dès que la main de quelqu'un te touche, on appelle ça imposition des mains. Dès que la main de quelqu'un te touche, on appelle ça imposition des mains. Je ne vais pas rentrer en saison 3. Il y a des thèmes que j'ai enseignés en saison 3, je ne vais pas rentrer dedans. Amen, amen. Dès que la main de quelqu'un te touche, on appelle ça imposition des mains. Donc, si tu n'as pas confiance en quelqu'un, si tu n'as pas confiance en son esprit, évitez certaines choses. Maintenant, la proximité, c'est, le mot est passé, la proximité avec quelqu'un, vous marchez ensemble tout le temps, à tout moment, à toute heure, vous êtes en contact, ça lui permet aussi de te transférer l'esprit. Donc, nous sommes dans le bon cadre. Dans le bon cadre que nous sommes, je peux souffler sur toi, ton pasteur peut souffler sur toi, un homme de Dieu peut souffler sur toi, tu reçois de son esprit, ça t'aide. Il peut t'imposer les mains, tu reçois de son esprit, ça t'aide. Il peut... Hein, tu es loyal envers ton père spirituel, envers ta mère spirituelle, envers les hommes et les femmes de Dieu, les servants de Dieu autour de toi. Tu es loyal envers ces personnes-là. Ils peuvent, ta loyauté auprès d'eux fera que tu vas recevoir de leur esprit. Ça va t'aider dans ton ministère. Ça va t'aider. Ça, c'est dans le bon cadre. Mais en même temps, j'ai ouvert la branche, hein, la brèche ou bien la parenthèse de l'autre côté pour dire de la manière dont nous transférons l'esprit là. Comprenez que je vous ai toujours dit, dans le surnaturel, on a pratiquement les mêmes pratiques, on fait pratiquement les mêmes choses. La différence, c'est l'esprit par lequel nous le faisons. Donc, la manière dont nous, on transfère l'esprit là, c'est comme ça qu'eux aussi transfèrent l'esprit. Donc, fais attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Fais attention. Amen, amen. Donc, je crois avoir bouclé sur ce thème. Je rappelle que nous avons prié de minuit aujourd'hui avec ceux qui savent, les surnaturels. Nous avons prié de minuit 00. Nous allons nous rencontrer. Nous avons nos séances de prière comme nous le faisons chaque jeudi en 15. Nous allons nous retrouver. Par la grâce de Dieu, jeudi prochain, on va encore se retrouver jeudi prochain. Nous parlerons encore du surnaturel. Voilà, vous serez informés de l'heure. C'est la même heure plutôt, vous serez informés du thème jeudi prochain. 18h, heure de la France, nous serons connectés. J'espère que l'enseignement de ce soir a fait du bien à quelqu'un. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Voilà, prière pour toi de suivre, hein, tous les enseignements que nous avons donnés. Prière pour toi de t'exercer, voilà, de t'exercer à tout ce que nous avons donné comme enseignement dans le surnaturel. Prière pour toi de t'exercer, de travailler dessus. Parce que ça peut te faire du bien, ça peut t'aider. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous observons. Pour tous les témoignages que nous observons. Amen, amen. Je crois que nous avons fini pour aujourd'hui. J'espérais finir vraiment le thème. Je bénis Dieu parce qu'en troisième partie, nous avons fini. Pour toi qui n'as pas pu suivre les deux autres parties, sur la page Domination Petit Mal où tu regardes, tu pourras voir les premières parties de transfert, deuxième partie de transfert. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir pour moi d'enseigner les choses du surnaturel. C'est un mandat que Dieu m'a accordé. C'est un mandat que Dieu m'a donné. C'est une mission. Shalom à tous ceux qui se sont connectés. Shalom à tous les surnaturels. Shalom à tous les invincibles. Et shalom à tous les invincibles surnaturels. Parce que c'est surnaturel. Il y en a qui sont juste surnaturels. Il y en a qui sont juste invincibles. Et là, je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont surnaturels, invincibles, qui avaient les deux casquettes. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Quant à moi, je suis révérend prophète Herman Kwadio.
Aiguisé pour dominer. Est-ce que quelqu'un peut marquer aiguisé pour dominer? Je vais voir ça avant de terminer. Aiguisé pour dominer. Voilà, tous ces enseignements que nous donnons, c'est dans un but précis, t'aiguiser afin que tu puisses dominer. Je termine avec ça. Aiguisé pour dominer. Shalom, shalom. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur la vie de tout un chacun. Merci de m'avoir suivi. Merci de continuer de partager la vidéo même après. Invite tes personnes. Si tu vois un thème et que tu penses que quelqu'un en a besoin, transfère-lui la. Faut lui envoyer, j'ai dit transfert. Faut lui partager la vidéo. Amen, amen. La personne te sera reconnaissante et Dieu va réveiller son esprit. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Je suis encore une fois, révérend prophète Herman Guadio. Aiguisé pour dominer. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment.